Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, du coup, d'un seul, je suis dans la panade. Une panade relativement noire, entourée de Rex, l'allosaur juvénile et dans le caca boudin. Ouais, je suis sur Nublar, il y a 129 joueurs. Et il y a 100 Rex autour de moi, c'est plutôt agréable. J'ai pas l'impression qu'ils sont de la même famille. En effet, ils se regardent d'une façon un peu agressivo-agressive, en chien de faïence, les tyrannosaures se guettent. Un peu terrorisé, l'allosaure juvénile doit fuir très loin de cet endroit et surtout trouver à bouffer. C'est un peu une situation dramatique que nous sommes en train de vivre. Donc on va essayer de s'éloigner et de trouver quelque chose à manger. Niveau eau, c'est bon, j'ai envie de dire qu'il n'y a aucun problème. Il pleut, il y a l'eau. Et en gros, l'idée, c'est voilà, de faire des petits sauts de puce et de rester caché, tapis dans l'ombre, à l'abri des conifères. Devant moi, il y a un petit taco là qui n'attend que de se faire bouffer. Donc écoutez, l'objectif est tout désigné, mais je dois garder un œil sur les rexounés, les petits rexounés qui sont relativement nombreux à rôder dans les parages. En tout cas, ouais, ça fait clairement plaisir de faire une proc comme ça là, sans aucune pression. Après, on se demande pourquoi je recommence 10 fois la proc de l'allosaure. Ben regardez, hein, simplement Nublar 2. Oui, il n'y a aucune espèce de règle. J'ai l'impression les rex. Sont par centaines à Murky Pound et du coup voilà, j'ai repéré un taco et j'y vais le graille tout cru et puis voilà. Mais bon, ça fait pas trop plaisir, j'ai envie de dire. Voilà, je voulais vous montrer dans quelles conditions atroces je fais la proc de mon allosaure qui, le pauvre, a des soucis. 78%, yes. Auditeurs, auditrices, la guerre a éclaté. L'Europe est à feu et à sang. Adolf Hitler... Non, pas lui. Mais les Rex, au minimum. Et pas l'Europe non plus. Mais ouais, genre, là, c'est en train de partir en cacahuète entre les deux familles de Rex. Et du coup, allosaure reporter, sans frontières et sans vergogne et sans peur et sans... dents. Voilà. Vous racontera les faits de cette bataille décisive pour le territoire des Rex. Alors nous voyons un Rex. Oh putain, ça part, vite. Ouais, là il y a les deux familles en fait qui se regardaient un peu de travers depuis tout à l'heure, qui sont passées à l'attaque. Et du coup, on va voir un peu ce qui se trame. Il y a beaucoup de Rex. C'est n'importe quoi. Bon, après, vous allez dire, hein, s'ils s'entretuent, bah tant mieux. Ça en fera moins et on sera tout bonnement enjaillé de cette information. On va essayer de regarder le combat tout en se maintenant en sécurité, caché dans les bois et l'obscurité de la nuit, analysant et racontant. Ça y est, ça part en vrille. Aïe. Eh, c'est des tarés, ils se battent tous. Regardez ça, c'est n'importe quoi. Oh mon dieu, mais putain. Ah ouais, bah ouais, c'est un serveur tranquille, hein. Tout va bien. Bon, j'espère qu'on y verra assez bien sur YouTube, parce que là, vraiment, c'est... Mais regarde, ça n'a pas de sens, regardez. Oh mon dieu, il y en a déjà un qui est mort. Ooh. Stay far away, bro. Ça continue, hein. Du coup ça continue, ils vont pas s'arrêter, ils vont se battre jusqu'à ce qu'il y ait une famille entière qui soit décimée. Puis il y a les subs qui attaquent. Oh mon dieu, c'est ça, les combats de Rex, ça n'a aucun sens, c'est un combat de débiles. Ils se foncent tous dedans, ils ont tous la patte cassée. Oh mon dieu, regardez-moi ce carnage. Du coup, j'espère que vous y voyez bien sur YouTube. Mais c'est... Oh là là, quel bordel. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est pas mal de voir ça, hein. C'est plutôt intéressant. Donc bon,
Voilà, on regarde tranquille dans un buisson. Et on voit que franchement, les subs, ils ont pas peur d'y aller, quoi. Ils ont vraiment pas peur d'y aller. Ils y vont, hein. C'est des malades. Il en reste qu'un, j'ai l'impression, d'une famille. Il y a toute une famille qui s'est faite décimer. Il en reste qu'un seul en vie. Et d'ailleurs, il y a l'adulte là qui attend, qui regarde les subs faire. Ok. Ah, ça y est, il se déplace un peu. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Bon, moi, il y aura plein de bouffe. Hein. Il y aura clairement plein de bouffe. Franchement, j'espère qu'ils vont faire croquer. Ils vont faire croquer un peu le petit avosaur. Qui est, somme toute, très gentil. Et ça s'arrête pas, il n'y a pas de body done. Mais du coup, c'est pas mal parce que ça donne des informations sur le serveur, quoi. On voit que s'il y a un combat qui est engagé, c'est vraiment jusqu'à la mort. Enfin, c'est possiblement jusqu'à la mort totale d'un des deux cœurs. Là, ouais, il fait des cris de peur et tout, quoi. Mais gros, je pense que ouais, ils vont pas te lâcher, quoi. C'est assez terrible quand même. Je suis pas trop fan de ça. Après, je sais pas, peut-être qu'ils se sont mis d'accord. J'ai pas regardé les chats. Après, s'ils parlent en local et tout, j'en sais rien. Mais ouais, c'est la guerre totale pour la suprématie du territoire de Murky Pond. Je crois que c'est Murky Pond, je suis pas sûr. Peut-être que je dis des bêtises. Oh, il y a un petit para, je crois. Il dit salut, je suis là. Salut, salut. Mon dieu. Ça y est, ils sont tous. Non. Ils sont tous, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est un carnage total, quoi. Il y a 300 heures de proc qui viennent de disparaître en l'espace de 5 minutes. Et franchement, c'est les subs qui ont attaqué. L'adulte, c'est des malades. Vraiment, c'est des fous furieux, quoi. Aïe. Il y a eu une croix, là. Qu'est-ce qui se trempe? Bon voilà, c'était Allosaur Reporter pour vous conter la guerre des Tyrannosaurus Rex. Yo, je suis gentil, je peux manger. Vous avez beaucoup de carcasses quand même, hein. C'est vraiment un carnage, regardez-moi tout ça, quoi. Et puis regardez le nombre de Rex qui est encore en vie, quoi. Quoi? Salut à vous, j'ai confiance. Salut. What? Mon dieu, bah bon, c'est. Je crois que c'est des dégénérés, hein, c'est tout. Hein. Je crois que c'est des fous. Yo les bros, salut à vous. Je tape l'incruste. Salut. Je peux manger? Je peux manger un petit bout? Ouais, je suis un allosaur gentil. Voilà, gentil. What? Vas-y, qu'est-ce que tu veux toi? Pourquoi tu fais des cris agressifs? Ouais, je te fume. Et je vous prends tous, je vous démonte tous, moi. Ah, peut-être pas de suite. Là, bah vas-y, gros, laisse-moi croquer, oui. T'es malade. C'est bon, vous avez assez de bon de nombre de carcasses qu'il y a, mais sérieux, quoi. C'est n'importe quoi. Vas-y, moi, je veux celle-là, là. Voilà, celui-là, là. À moi. Maintenant, vous rendez pas fou. Là, ça met quand même la pression. Hein. Ça met la pression, mais au moins, là, y a personne qui va s'approcher. Hein. Et toi, tu manges un caillou, toi, là-haut, là. Là, y a personne qui va s'approcher de tout ça. Hein. What? Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi manger. M'en fous de ton ava, je veux ce T-Rex. Gentil. Oh, wait! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est ce tram? Ah, voilà. C'est bon, vous avez assez de bouffe, ça va dépop, de toute façon, on n'est pas fou. Et c'est les subs hein, qui sont énervés. Les deux parents là-bas, ils sont pépouses. Hein. Ils sont posés. Ils ont fait leur nid à 6 km de l'eau. Histoire de se vider de toute cette nourriture. Crier. Moi aussi je sais crier, tu crois que quoi? Voilà, pap. Bon, en vrai je vais... En vrai je vais rester avec eux un petit moment et jusqu'à grandir un peu plus, comme simplement je suis à 90% donc ça va. Et puis voilà, c'est tout.
Là, je suis protégé, je suis bien. Je suis pas avec eux, mais je suis pas loin d'eux, donc personne va venir. Je pense que je vais passer adulte ici, et après, je vais me casser très, très, très loin de cet endroit. Je pense qu'on va faire ça, hein. Je vais bientôt passer adulte, 1200 kg, 36, 30, bon, toujours, ça c'est pas toujours pareil, et 80 newtons de bite force. Donc on va bientôt passer adulte, franchement, ok, bah, je crois que c'est bon. Hein. Je crois que c'est bon, alors on va grab, bam. Wow, magnifique allosaure. Alors je fais quoi, 1875 newtons, 34 km/h, sachant que c'est pas la vraie vitesse, tant que je suis pas full adulte. Mais bah, du coup on va se barrer d'ici. Est-ce qu'ils sont toujours là, les fous? Ouais, ils sont toujours là. Je vais me casser, hein. Je vais me casser, je vais leur dire au revoir en faisant un petit cri gentil. Et je me casse. Ah bah, ils ont plus la même... Non. Ok, je me casse. Il y avait un truc là, non? C'est un caillou, ok. Vas-y, je me casse, c'est beaucoup trop dangereux de rester avec eux. Déjà qu'ils me mettaient en pression alors qu'ils étaient gentils. Là, visiblement, ils ont plus envie d'être gentils avec moi. Donc, on s'arrache. On va mener notre petite vie d'Allosaurus loin de cette bande de fous. Alors, j'ai entendu des Utahs. Utahraptor, très très énervé contre l'Allosaure, très dangereux. En fin de compte, là, ça, j'ai un peu testé l'Allosaure en sandbox. Et je sais pas s'il est si fort que ça, hein. Vraiment. Je doute. Je doute clairement. Parce que tout simplement, bah, il a un très très gros défaut. Un très vilain défaut, c'est ça. Voilà, il s'arrête pas de suite. Et du coup, j'ai l'impression que genre un combat contre un Ceratosaure ou contre un Utah peut clairement être perdu, même un Dilo. Enfin, je sais pas. Je crois pas trop en cette bestiole, là j'ai un peu peur. J'ai un poil peur de cet engin, hein, clairement. Il a un radius qui est assez mauvais, je trouve. Qu'est-ce qu'elle fait la poule, là? Il y a une poule dans l'eau, c'est sérieux, qui est en train de se suicider? What the fuck? Bah, du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, le truc, c'est que c'est peut-être intéressant quand même d'avoir un point fort. Genre, l'Utah, il est très rapide, l'Erera est très rapide. Bon, au niveau du combat, c'est pas super, l'Erera. Mais le Rex, il frappe très fort. Le Giga met beaucoup de saignement. Le Cerato, il a un radius qui est incroyable, ce qui rend ce dinosaure complètement pété. Et l'Allosaure, du coup, vu qu'il est équilibré, en soi, peut-être que c'est pas ouf d'avoir quelque chose d'équilibré. C'est quand même peut-être intéressant d'avoir un vrai point fort, quoi. Donc je sais pas. Parce que c'est un dinosaure, du coup, qui est assez dur à gérer. Donc à voir. Bon, bref, là, pour l'instant, j'ai faim. J'ai repris ma stam. Il reprend sa stam assez rapidement, c'est un point fort. Et il a beaucoup de stam, c'est un point fort aussi, mais par contre il court pas très vite. Donc c'est un point faible. Voilà quoi. Mais par contre j'ai vraiment faim, je suis toujours sur le territoire des T-Rex, faut que je me casse, mais... J'ai peur que ça spawn pas en fait. Si je pars loin tout seul. Et du coup c'est pour ça que je reste là, un petit peu caché quoi, loin. Et j'entends Lava, mais je l'ai pas vu, quoi. Et j'entends les Rex, pam. Ah oui, il est là. Vas-y, frérot. Allez, rends pas fou. Ok, je t'ai fait mal, dis-le. Non, mais va pas là-bas, il y a des Rex. Ok, bon, je le tue en trois coups, c'est plutôt intéressant. On va le manger entièrement. Et on se casse. On se casse, on va aller au territoire des Raptors. Au dock tout au sud de la map. Comme ça là-bas on va pouvoir tranquille. Et logiquement c'est le territoire des raptors, donc il devrait y avoir que des raptors. C'est un dinosaure que je peux quand même tuer assez facilement. Mais franchement j'ai peur, hein. J'ai vraiment peur avec ce dinosaure de pas pouvoir faire grand chose. A voir, vraiment à voir quoi. Mais je le trouve magnifique, hein. C'est tout, c'est genre l'Allosaure, trop beau quoi, trop beau. Ouais, je me casse. Trop beau l'Allosaurus. En plus, mon Allosaure est vraiment magnifique, incroyablement magnifique.
Bon, sur ce, je me tire, je reste pas ici plus longtemps. C'est sûr et certain que si je reste ici plus longtemps, je vais mourir. Et vu que j'ai refait la prologue 30 fois, parce que c'est un serveur de psychopathe, ben, j'ai pas envie de remourir, tout simplement. Je suis à combien, là? Ouais, 86%, 900 kilos. Ouais. Je suis quand même pas très fort. Hein. 900, 1900 kilos. Je suis quand même pas très fort, donc il va vraiment falloir attendre d'être full agile pour prendre des combats quand même. Parce que 100 newtons de bite force, 93, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Ok, j'ai entendu un Terry par ici, pourquoi pas le bouffer? Par contre, ce qui va pas, c'est qu'ici c'est le territoire des Rex. Genre voilà, là-bas on le voit. Oh, il est là le Terry. Mais attendez, mais il est super loin quoi. Il est super loin et on l'entendait de super près. Bon bah écoutez, Allosaur reporter, on va voir ce qui se trame. Hein. Je crois que les Rex sont en train de le chasser, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est clairement toujours les mêmes. C'est des psychopathes. Hein. Par contre, j'ai des gigalags, hein. C'est un délire. Dès qu'il y a une IA qui spawn. Ah bah le Terry est mort. Yo les gars, vous en rappelez de moi? Peace. Peace, fuel. Oh. Vas-y, je vais essayer d'aller grailler le Terry. Ah bah il y a un autre Rex dessus. Ok, il se passe quoi encore les gars? Mais vous êtes des malades. Il y a un chant. Eh, vous êtes des psychopathes. Ils vont bouffer le chant. Eh, c'est des malades ces Rex. Sérieux quoi. Vas-y, vas-y. Ah, ça me fait rêver que le chant il cale le stomp là. Yo, vous vous rappelez de moi? Je suis là. C'est moi le bébé Allosaur que vous avez nourri au sein. Rentre, s'il vous plaît, montrez-nous le combat quoi. Vas-y, le chant. Moi je suis team chant là, c'est bon, les Rex ils font carnage quoi. Au bout d'un moment, stomper quoi. Je regarde, hein, juste un peu grandi, ne vous inquiétez pas. Quand je me mets en position. Position pour courir quoi. Il y a trois Rex adultes ensemble, ok. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même le gros bordel ce serveur en vrai. Oh, il va le buter. Vas-y, chante, tu peux le faire. Ouais. Eh, moi, je suis gentil. Hein. Stomp. Eh, il a cassé la patte. Eh, voilà. Bah, c'est fini pour le chant. Non, pas moi. Moi, je regarde. Hein, je suis gentil. Je suis gentil, moi. Hein. Vous inquiétez pas. Rip le chant. Aïe. C'est des malades, ces Rex. Je parle pas le Rex. Enfin, si, je le parle, en fait. Je vous ai parlé tout à l'heure. Over the hair, still close to your nest. Ok, bon, il me parlait pas. Ok. Mais par contre, les subs dans cette famille de Rex, c'est des malades. Hein. Les subs, ils s'attaquent à chaque fois au gros dino, quoi. C'est vraiment une équipe de tarés, là. Là, vous laissez tomber? Ah, ils ont peut-être juste éclaté parce qu'il les laissait pas manger, je sais pas. Moi, en vrai, j'ai aucune chance, hein, je vais pas y aller. Hein. Je vais me le faire. J'ai été élevé avec des T-Rex, wesh. Il est pas full adulte. Enfin, je crois pas. Mais en vrai, je tourne trop mal sans moi-même. Ok. Bah en vrai, c'est chaud, hein. Après, il est bien entamé, hein. Il est bien entamé, mais bon. Ouais. Il a pas de cassé et tout, il est dans une merde. Il est tellement dans la... De toute façon, t'es un mal. Tu manqueras à personne.
Mais ouais, vous m'avez éduqué, les Rex. Vous m'avez éduqué. J'ai appris de vous. J'ai appris de vous. Et du coup, je suis aussi taré que vous. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Je sais pas ce qu'il me fait s'il me touche. Parce qu'il est pas full adulte, donc je pense qu'il me tue pas. What the fuck? Comment il a pu ne pas me toucher quoi? Ah ouais, il me fait mal quand même. Après je fais de la merde, mais je le trouve trop difficile à gérer l'allosaur. Il doit être dernier screen, sérieux. C'est sûr, c'est sûr, c'est une question de temps. Faut pas que je perde patience. Faut pas que je perde patience. Et les spectateurs, vous voyez les règles, c'est cool d'être spectateur. Moi c'était moi votre spectateur la dernière fois. Bon, si tu pouvais penser à crever, ce serait cool quand même, parce que je vais avoir soif au bout d'un moment là. Vas-y, faut que tu crèves là. Crève, bro. Je suis tellement pas patient, c'est ça le problème. What? Il court tellement vite. Quoi? Mais quoi? Mais c'est quoi cette accélération? Vas-y. Je crois que les Rex ils finissent. Ah, et le pauvre. Terrible vie du chante. Bon bah écoutez, prochain. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, terrible ce qui se passe. Oh, les sons derrière. Oh, il avait encore beaucoup de crocs à donner, hein. Il est toujours pas mort là. Ouais, non, mais j'avais aucune chance de le tuer en fait. Écoutez, écoutez, le combat est toujours pas fini. Mais ouais, c'est un délire. Bon, écoutez, il est mort, ça y est. Mais le combat était long quand même. Bref, bon, on va refaire encore une fois. Bon, après, c'est moi. J'essaye. Bref, qu'est-ce que je disais? Je disais que je reprends mon petit allouzon. Voilà, et je disais prochaine fois, prochaine vidéo, on se retrouve adulte et on va essayer de faire mieux. Hein. Voilà, on va se retrouver à peu près à 90% de progs. Et je vous dis, bah écoutez, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas l'abonnement, c'est très important, c'est très très important, les amis. Vraiment, je le demande pas souvent, mais il faut les pouces bleus et des abonnements. Allez, tchuss!